Salut les nanas et bonjour tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Eh ben, si vous me suivez sur Snapchat, vous savez pourquoi. C'est parce qu'en fait, j'ai enfin retrouvé ma caméra. Elle était en réparation et au final, Sony m'a dit que ça allait durer une semaine, 10 jours minimum. Et non les cocos, ça a duré 3 jours. Thanks God. Donc aujourd'hui je suis ici non pas pour vous parler en fait de produits de beauté, de mode, de produits pour les cheveux ou quoi que ce soit. C'est juste que j'avais envie en fait de papoter avec vous. Voilà. Oui, alors je vais pas vous casser la tête non plus, mais c'est vrai que ça va être une vidéo qui va durer peut-être un peu longtemps parce que c'est une vidéo en fait qu'on me demande assez souvent. Je vais un petit peu me réajuster. Hop là. Comme me demande un petit peu souvent, c'est un sujet qui revient parce que c'est vrai que ben, je vis sur Los Angeles. C'est une grande partie de mon histoire, de ma vie, de moi-même. Donc en fait, ben, depuis plusieurs mois, même après les FAQ, les forums à questions, tout ça, les interviews, on me demande souvent en fait comment faire pour venir s'installer ici. Vous avez souvent envie de venir vivre votre rêve américain et je vous comprends. Mais bon, voilà, je ne suis pas une professionnelle. Déjà, avant tout, je suis ni avocate, ni juriste, ni policier de l'immigration, enfin non, flic ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, je ne suis pas du tout une pro, ça dépend de toutes les situations, tout ça. Mais voilà, vous l'avez compris, on va parler en fait de, ben, des States, de la vie ici, de tout ce qui est un petit peu mon histoire, vite fait bien fait pour m'en inspirer, parce que ben, je ne peux pas non plus... tout dire selon votre propre histoire, je ne connais pas votre situation, mais je vais essayer de vous aider un petit peu au mieux, comme je vais pouvoir le faire avec mes moyens, les moyens du bord, puis comme ça on pourra papoter, hein, vous et moi, on va pouvoir être ensemble. Donc tout d'abord, première étape, pour celles et ceux qui veulent venir vivre leur rêve américain, déjà, moi ce que je recommande, c'est le visa. Le visa, parce que ben, sans visa, vous n'avez pas de droit de travail, sans visa, vous ne pouvez pas rester ici. Et surtout, les États-Unis, comparé aux pays européens et surtout à la France, ben, c'est vrai que ben, ils ont une force ici, malgré tout, parce qu'ils sont très conservateurs. Et d'un côté, ben, oui, comme je viens de le dire, c'est leur force. Et c'est ce qui manque un petit peu en France, et ce que je ressens. Alors, on parle pas de racisme, de discrimination, tout ça. S'il vous plaît, je parle pas de ça, je parle juste du fait que ben, ici, en fait, ils ne laissent pas... l'opportunité d'avoir une carte verte, d'avoir la nationalité française, américaine n'importe comment et de façon rapide. Non, c'est très compliqué. Mais c'est leur force ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont... Oui, il y a mon petit chien, donc si vous entendez des petites tap-tap, parce qu'on a le parquet au sol. Donc, je répète, en fait, ici, ils ont beaucoup d'immigration d'Amérique du Sud, des pays comme le Mexique et tous les pays qu'il y a aux alentours. Désolée, ma géographie, elle est un peu pourrie. Mais c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de Mexicains, par exemple, qui souhaitent venir vivre ici parce que ben, la vie est meilleure, tout ça, ce que je comprends. Tout à fait, donc on ne parle pas de racisme. Mais d'un côté, ici, c'est leur force parce qu'il y a tellement de demandes, tellement de personnes qui veulent un visa et qui veulent vivre aux États-Unis qu'ils ben, sont obligés de fermer un peu les portes et d'être un petit peu très, très, très compliqué et très dur sur ça. Mais d'un côté, moi, je trouve que c'est leur force. Je le respecte complètement. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici, avant de venir vivre, je vous conseille de voir pour votre visa. Alors je ne peux pas parler de visa en général, pourquoi? Parce que il y a des tonnes de visas, ça dépend à chacun, à chaque type de situation. Si vous êtes étudiant, si vous avez un boulot qui peut vous transférer ici, si vous avez déjà trouvé un boulot ici avant même de venir y vivre, si vous avez quelqu'un que vous connaissez ici, et ça dépend aussi de votre budget. Je peux pas vous aider pour ça, il faut aller voir donc au consulat général, consulat de je sais pas quoi en France, moi j'appelle ça le consulat et basta, et dans les administrations françaises pour vous renseigner sur le prix, sur la durée, tout ça, parce que je sais qu'il y a des visas de 6 mois, des visas pour le travail, des visas pour les études, mais c'est très compliqué d'avoir un visa pour pouvoir travailler et vivre ici sur du long terme. C'est assez compliqué, ça coûte très cher, parce qu'en fait qui dit visa dit work permit. Alors, qui dit ça, en fait, ça veut dire tout simplement le droit de travailler. Parce que c'est bien beau d'avoir un visa et d'être autorisé à rester sur le pays, mais c'est surtout le permis de travailler qui va vous aider un maximum, parce que bah, faut vivre ici, la vie est chère, et puis bah, il faut bien travailler pour vivre, hein, comme dans tous les pays. Donc ici, qui dit visa dit permis de travail. Donc en fait, ça, je peux pas non plus trop vous aider, mais déjà, il faut vous renseigner pour ça. Parce qu'après visa, c'est le permis de travailler. Parce qu'ici, ils n'embauchent pas si vous n'avez pas
de permis de travail, de droit de travail, vous devez avoir un numéro de sécurité sociale. Ici, ils appellent ça le social number. Et sans ce petit numéro, vous pouvez rien faire. Voilà. Moi, j'ai raté pas mal d'opportunités au début d'ailleurs parce que je n'avais pas ce numéro-là. Donc en fait, c'est votre numéro d'identité ici. C'est pas comme la sécurité sociale. En France, sécurité sociale et ici, social number, c'est pas du tout pareil. Donc ici, le social number, ça va vous permettre de vous identifier et d'avoir donc un fichier bon crédit, mauvais crédit. Je m'explique. La troisième étape ici, c'est que c'est très compliqué de la France. Hein. Déjà, dites-vous bien qu'ici, tout est très différent. On n'est pas non plus dans l'Antarctique ou au pôle Nord, mais c'est très différent de la France. Donc ici, le travail, les mentalités, l'administratif et même la vie, en fait, en général, le gouvernement, ce n'est pas le même. Donc ici, par exemple, si imaginons que vous avez votre visa, vous voulez vous installer ici, vous avez votre social number parce que vous avez peut-être une nationalité ou quoi que ce soit, ou alors vous avez un numéro sur de permis de travail. Ben, vous allez avoir en fait un quota de bon crédit et mauvais crédit. C'est-à-dire qu'en fait ici, lorsqu'ils veulent louer un appartement, acheter une voiture, faire un crédit, comme on appelle nous un crédit, on appelle un crédit dans le sens où on paye en plusieurs fois. On emprunte à la banque. Ici, c'est pas pareil. Le crédit, ici, ça veut dire si vous avez un bon crédit, qui est un score supérieur à je ne sais pas combien de points, vous allez être autorisé à pouvoir acheter une voiture, louer un appartement, ça veut dire que vous êtes un bon payeur. Mais après, si vous ne payez pas, vous êtes en retard, tout ça, votre score diminue, et au plus il diminue, au plus vous êtes dans la merde. Au plus vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas louer, vous êtes considéré comme un mauvais payeur. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont considérés comme de très mauvais payeurs, par exemple qui ne payent pas leur appartement et qui sont donc mis à la porte, c'est pas comme en France, hein. Il n'y a pas les mises en demeure ici et là, ça ne dure pas 2 ans. Hein. Ici, vous avez une éviction. Et ceux qui ont une éviction ici, ils sont morts. Ils doivent attendre 7 ans pour que tout s'efface ou alors payer tout ce qu'ils n'ont pas payé. Enfin, c'est un peu galère. Donc ça, c'est pour vous expliquer déjà ici, vous ne pouvez pas tricher, quoi, dans le sens, quand vous voulez louer un appartement, et on va y revenir, vous ne pouvez pas donner les papiers et dire « Oh, je gagne 3 000 $ !» Par contre, je suis à découvert de 4 000 derrière. Non, non, ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est très compliqué. Donc après, pour retrouver un appartement, moi, ça fait 1 an et demi que je suis ici, un petit peu plus. Et 1 an et demi, j'ai déménagé déjà 3 fois. Alors pourquoi? Parce que la première fois, ce que je conseille à tout le monde pour le logement, c'est de trouver, on va dire, une colocation. Parce qu'ici, sur Los Angeles, c'est très cosmopolite. Il y a beaucoup de personnes comme vous et moi qui veulent tenter leur rêve américain d'acteurs, de chanteurs. Tout ça, c'est la ville d'artistes. C'est ici, hein, c'est la cité des anges. Hein, on l'appelle pas comme ça pour rien. Hollywood Boulevard, tous les studios de cinéma, tout ça. C'est pas pour rien, c'est une réalité, c'est pas qu'un rêve. Donc en fait, ici, vous allez retrouver beaucoup de grandes maisons individuelles du côté de Hollywood, Melrose Boulevard, enfin, tout ce quartier-là, où en fait, ils ont divisé en plusieurs chambres, et des fois, vous partagez une chambre avec quelqu'un ou pas. Et ça, la colocation, on va dire que c'est le meilleur des moyens pour commencer, parce que vous pouvez trouver des colocations où les gens ne sont pas compliqués pour les papiers, parce qu'ils savent que vous êtes étranger. Vous pouvez louer une chambre, par exemple, une chambre à partager, et vous pouvez rencontrer du monde. Moi, je sais que ça a été la plus belle expérience de ma vie. Je n'ai jamais été en colocation, même en étant étudiante à Marseille. J'ai toujours eu mon appartement. J'en ai eu 3 au total et un 4e avec mon mec, mon ex, Dieu merci. Et ici, c'est pas comme ça. Ici, non. La colocation, c'est pas considéré comme un truc dégueu. Ou là, en France, moi, c'était oula, jamais de la vie, j'irai en colocation, hein, jamais de la vie. Mais ici, c'est très 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 commun. Il y a même des gens, moi j'ai ma meilleure amie ici, qui est comme ma deuxième maman, qui a la quarantaine. Désolée ma chérie, je suis obligée de le dire. Bon, elle a la trentaine. Et au final, ben, elle est en coloc. Pourquoi? Parce que ben, elle travaille, elle gagne très bien sa vie, elle travaille dans les studios d'Universal de Warner Bros. Mais ça fait qu'elle paye moins et c'est beaucoup moins d'inconvénients parce qu'elle ne paye pas l'électricité, elle paye pas l'eau, elle paye pas les factures pour tout ce qui est par exemple internet. Donc c'est très 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 avantageux. Moi, c'est ce que je vous conseille, de trouver une colocation. Et attention, on évite Craigslist. Craigslist, c'est quoi? C'est un site internet comme Le Bon Coin, seulement Craigslist, c'est gratuit. Donc il y a des offres de tout et n'importe quoi et il y a beaucoup beaucoup de scams. Les scams, c'est on va dire tous les pièges. Voilà, en français, le mot littéral, c'est les pièges. Donc il faut pas tomber sur ça. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'escroqueries, on va dire ça comme ça. Mais moi, j'ai connu un site qui s'appelle Rent Apartment, apartment.com. Je vous mettrai la liste, les liens dessous. Vous pouvez payer, je crois, 10 $ ou 20 $ la première fois, le premier mois. Et vous ne payez pas plus, parce que bon, on ne met pas non plus 3 mois pour trouver un appart.
Et c'est très sécurisé. Moi, j'avais trouvé sur ça, c'est le top. Alors après, ici, lorsque vous voulez chercher un appart et pour la colocation, moi, c'était pareil. Ils vont vous demander un dépôt. Un dépôt, c'est le dépôt de garantie comme en France. Mais que ce soit une agence, ici en fait on ne fonctionne pas avec des agences, on ne va pas trouver une location avec une agence immobilière. Ici vous passez par propriétaire, il va vous demander un mois de dépôt minimum, voire plus. Déjà il faut prévoir ça. Après les loyers, moi par exemple pour une chambre que je partageais avec trois filles, et bon on n'était plus que deux au final, dans une grande maison, je payais 600$ par mois sans rien payer d'autre. J'avais payé à peu près 800$ de dépôt. Donc c'était pas mal parce que j'avais pu payer en cash et en plusieurs fois. J'avais trouvé cette maison, il y avait beaucoup de monde. C'était la meilleure expérience de ma vie. Et j'ai rencontré Mr. Beau Gosse avec moi. Donc ouais, voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça a été une très bonne expérience pour moi. Et après est venu le moment où on est venu à vouloir notre intimité et à vivre ensemble. Donc on a trouvé un appartement mais du côté d'Ontario. Ontario c'est on va dire à 1 heure de Los Angeles en voiture. 45 minutes, 1 heure, c'est la banlieue de Los Angeles, tout simplement pourquoi ? Parce que c'était moins cher. Et là, je suis passée par une agence, enfin, par des professionnels, je vous explique. Ici, vous avez des maisons individuelles ou alors vous avez des complex apartments. Alors c'est quoi ? C'est les résidences, comme on appelle ça en France, mais c'est pas des buildings, c'est des petites maisons individuelles divisées en appartements en fait, ça se passe comme ça. Ici, vous ne trouvez pas de résidence comme à Marseille, Valmante, l'allée des Peignes, La Rouvière, Castel Rock et machin chose, pour celles qui connaissent Marseille. Et oui, je bossais dans l'immobilier, donc je connais pas mal de résidences. Bref. Donc ici, vous allez dans des complexes d'appartements, ils vont vous demander vos papiers. Et là, on arrive, on va dire, à tout ce qui est plus compliqué, plus petit problème. C'est-à-dire, on va vous demander tout ce qui est passeport. Si vous n'avez pas de sécurité, de numéro, de social number, ce n'est pas très compliqué. Si c'est en cours, si vous pouvez prouver que vous avez des papiers d'avocat, tout ça, ça va. Mais tant que vous avez des sous ici, tout va bien. C'est la partie compliquée. C'est vrai qu'il faut gagner son pain, il faut avoir un petit peu d'argent. Moi, je n'avais rien, mais bon, grâce à mon blog, c'est vrai que je suis un freelance, je peux travailler d'où je veux. Donc j'avais un petit peu quand même. Mais si vous venez ici les mains dans les poches, sans un sou et que vous n'avez pas de travail, ça va être beaucoup compliqué. Donc là par exemple l'agence ils ont carrément demandé pas mes bulletins de salaire mais ce que j'avais sur le compte. Ils vous demandent les relevés d'identité bancaire, enfin les relevés les relevés bancaires. Ils vous demandent combien vous avez sur le compte, ils regardent tout ce que vous avez sur le compte. Ici c'est complètement normal et légal, c'est pas je vous donne le bulletin d'impôt ou le bulletin de salaire et j'ai droit d'être à découvert de 3000. Si vous êtes à découvert de 3000 ils vont vous jeter hein. Il faut avoir aussi à peu près dans les 3,5 fois le montant du loyer sur votre compte. Voilà. Alors après ils sont quand même assez bien ici, c'est que vous pouvez avoir des sous sur n'importe quelle banque. Moi j'avais une banque française, ça les a pas embêtés, ils ont quand même étudié mon dossier et tout ça. Vous n'avez pas de frais de dossier, vous avez si à peu près je crois 20$, 25$, 30$ pour pouvoir poser votre candidature. Voilà. Et après le dépôt de garantie et donc le premier mois de loyer. Donc ça c'est quand vous passez avec un professionnel ou même avec un propriétaire, c'est vrai que même un individuel c'est à peu près tout le temps pareil, c'est à peu près tout le temps la même chose. Donc après, vu que vous n'avez pas de bon crédit ni de mauvais crédit, parce que par exemple on n'est pas encore citoyen américain, ben ça leur pose un petit peu problème. Donc par exemple pour moi, ils m'ont pas demandé un seul mois de dépôt, ils m'ont demandé 2 à 3 mois de dépôt. C'est la petite galère. Mais comme je vous dis, ici, tout se paye. Malheureusement, mon chéri aussi me le dit et c'est ce qu'il n'aime pas de son pays. Mais bon, moi, je préfère cet inconvénient-là que les inconvénients de la France. Ici, lorsque vous avez de l'argent, ben, vous pouvez vous en sortir. Mais pourquoi ? Parce que c'est facile d'en avoir de l'argent. Enfin, c'est facile. Ce n'est pas non plus, je ne veux pas vendre du rêve, hein, mais c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de boulot. Pourquoi ? Parce que les gens, ils font un boulot. S'ils n'aiment pas, ils peuvent changer. Ils n'ont pas peur de se retrouver à la rue ou sans travail. Voilà. Ça, c'est l'opportunité. Donc, bon. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est le boulot. Ici, côté boulot, si vous avez un permis de travail, c'est hyper facile. Voilà, vous avez les sites internet, les agences d'intérim, tout ça. Il y a beaucoup de demandes. Non, il y a beaucoup d'offres. Et comme il y a beaucoup de demandes aussi, ça tourne beaucoup. Il y a pas mal de rotations, en fait. Donc, c'est vrai que moi, par exemple, j'avais bossé pour une petite société à un moment. Ben, en 6 mois, j'ai vu passer une vingtaine d'employés. Mais pas parce que ça n'allait pas ou quoi, parce qu'elles avaient trouvé mieux, elles avaient trouvé mieux payé, tout ça. Et côté boulot, je vais vous expliquer aussi une grande différence ici qui fait que, ben, désolé, mais les États-Unis, je t'aime, je resterai là.
Et puis, tu pourrais être fière de moi parce que je paierai mes taxes. Je serais fière de payer mes impôts pour toi, États-Unis. Bref. Donc, ici, par exemple, côté boulot, déjà ici, ils ne sont pas payés au mois. Non, fini le. On est au 31 du mois, j'ai pas de sous. Non, non, non. Ici, vous êtes payé par semaine ou alors tous les 15 jours. Déjà, ça révolutionne une vie. Oui. Et en plus de ça, vous n'êtes pas payé au mois, vous êtes payé à l'heure. Là encore. Alors non, vous n'avez pas de congé payé, enfin à part si vous pouvez négocier avec votre boulot, mais vous n'avez pas de congé payé, vous n'avez pas de sécurité sociale, je dis pas le contraire, ça peut être un inconvénient. Mais bon, personnellement, même quand j'étais en France, je devais me payer une mutuelle. La sécurité sociale, elle me servait pas à grand-chose non plus, hein. Donc je préfère les inconvénients des States que de la France, hein. Bref, je m'explique. Donc ici, vous êtes payé à l'heure. Le minimum, c'est 10 $ de l'heure, sachant que vous travaillez 8 heures par jour, ça fait du 80 $. Donc vous toucherez 80 $ fois 5, faites les maths pour moi, par semaine ou par 15 jours, minimum de chez minimum. Vous pouvez faire des heures sup, les heures sup sont toujours payées, pas plus, pas moins l'heure dont vous êtes payé habituellement. Donc ça, c'est très 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 avantageux. Et le deuxième avantage, c'est pour ça que je dis que je suis fière de payer mes taxes ici, c'est que ici, donc à chaque bulletin de salaire, enfin à chaque paye, on vous enlève une cotisation qui est d'à peu près 5 à 7%. Bon, je suis pas une pro, mais c'est pas les 23% ou les 27% de la France. Déjà. Pourquoi? Parce que oui, il n'y a pas la sécurité sociale. Mais au final, si vous devez vous payer une mutuelle pour vous-même, même si vous êtes en France, qui vous coûte 150 € par mois parce que vous avez deux gosses, vous avez une famille, ou même que pour vous, vous voulez une bonne mutuelle, au final, ben ici, on se paye la mutuelle aussi. C'est exactement pareil, sauf qu'ici, on peut gagner un peu plus. Donc au final, excusez-moi, mais la sécurité sociale, c'est un peu de la connerie. Alors non, je dis pas que c'est un peu que de la connerie, parce que c'est vrai que oui, ça m'a servi, ça sert pour les médicaments, tout ce que vous voulez. Mais bon, voilà quoi, c'est pas non plus une révolution, on peut très bien vivre sans, hein. Je vis sans depuis presque 2 ans, je suis pas morte, hein. Et donc ici, comme je vous dis, ils vont vous déduire dans les 5-7% sur chaque paye. Mais le mieux, c'est qu'à la fin de l'année, après 12 mois de boulot, l'État vous redonne tout ce que vous lui avez donné. Oui, le tax return. Et ouais, quand j'ai dit ça à mon père, rien que pour s'amuser, il a calculé combien il avait donné à l'État en une année. Ben, autant vous dire qu'il roulerait en Porsche, qu'il aurait une maison à Miami, qu'il aurait son propre casino à Las Vegas et que sa société serait encore toujours ouverte. Tiens, la France. Je suis désolée, la France. Je t'aimais, mais tu m'as fait devenir comme ça envers toi. J'ai une haine envers toi, je suis désolée. Bisous, la France. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici on peut être fier aussi quand même de son pays parce que quand on bosse, quand on donne quelque chose au pays, ben, le pays vous le donne en retour. Et même s'il ne vous redonne pas tout, parce que des fois il redonne pas le montant en intégralité ou qu'il y a des petits inconvénients qu'ils doivent payer, ben, les assurances, la sécurité, la sécurité sociale, oui, ils doivent payer leur mutuelle, tout ça, ben, c'est pas le gouvernement en fait qui va vous bouffer. Voilà, vous avez un droit de vivre heureux, c'est-à-dire que vous avez un, comment on appelle ça déjà en France, j'ai oublié, mais vous avez un pouvoir d'achat ici, voilà. Vous avez un pouvoir d'achat. Vous n'avez pas de fin de mois. Vous pouvez vous faire plaisir et vous acheter quelques petits trucs. Vous pouvez partir en vacances et économiser parce que le gouvernement ne nous bouffe pas. Il n'y a pas 15 taxes, ils n'ont pas de taxes d'habitation comme nous en France, ils n'ont pas de taxes de télé. C'est des petits détails, vous me direz, mais c'est ce qui change une vie. Une vie, il n'y a pas de fin de mois. Enfin, je suis désolée, je vais m'énerver, mais j'ai tellement de haine envers mon pays, envers ce qu'ils font vivre, envers ce que le pays fait vivre à notre société. Je vais pleurer. Je suis désolée, mais moi j'imagine ma famille, j'imagine mon père combien d'énergie, de temps et de travail il a mis dans toute sa vie pour au contraire, pourquoi? Pour le gouvernement. Pour le gouvernement. Mon père travaille tous les mois pour rien. Pour rien, pour payer des impôts, pour payer des taxes, pour payer les factures à la fin du mois, pour payer l'État, voilà, bordel de merde. Et il travaille pas à McDonald's, hein. Ça me tue. Voilà, ça me tue. Bon, certes, oui, on avait une bonne vie, on est des Français de la classe moyenne, il avait une belle voiture quand même malgré tout, il a une belle petite maison, mais il est locataire. On ne peut pas acheter en France. On ne peut pas, dès qu'on est gérant de société, dès qu'on a un peu plus d'argent que les autres. Au final, on retombe 3 fois plus bas que les autres parce qu'on a plus de choses à payer et on doit subvenir aux besoins des autres. Alors, je vous vois venir, je ne parle pas de racisme, de discrimination, commencez pas à me casser les bonbons avec ça, ça n'a aucun rapport. C'est juste pour dire qu'en France, on travaille pour le gouvernement. Voilà. On travaille pour payer
payer. On n'a pas d'opportunité d'avoir ben, ne serait-ce qu'un pouvoir d'achat. Non, non. Je suis désolée, c'est la vérité. Même les heures sup, maintenant, il paraît qu'on ne peut plus en faire, enfin, par rapport à la loi du travail, on ne peut plus en faire plus, nani nana. Ici, déjà, il n'y a pas de loi de ce genre-là. Il n'y a pas, vous devez travailler 35 heures minimum, 45 heures minimum, 5... Non, ici, vous travaillez le temps que vous voulez travailler. Vous allez travailler, vous gagnez de l'argent, vous n'allez pas travailler, vous n'en gagnez pas. C'est tout. Moi, par exemple, j'ai été malade 3 jours, je n'ai pas été payée. Oui, ben, je suis allée travailler avec mon rhume, voilà. Au lieu d'être en France où j'ai la grippe, où j'ai la gastro, où j'ai le nez qui coule. Ici, je n'ai jamais entendu en 2 ans quelqu'un dire ça. Voilà. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire j'ai la grippe, j'ai le rhume, j'ai la gastro. Jamais. Jamais. Mais ici, on est entouré d'énergie positive en fait. C'est pour ça que moi, c'est une renaissance en fait de vivre ici. Parce que j'étais entourée d'énergie négative en France. Même ma famille que j'aime. Tout le temps, les découvertes, on n'a pas de sous. Et ça, ça coûte cher. Il faut que j'aille travailler, mais je suis malade. Il faut que je fasse les papiers pour la sécu, le papier pour le Pôle emploi. Ça fait beaucoup de négativité, de problèmes, de personnes ben, qui sont dans un constant mépris, haine, soucis. Anxiété, stress. Ici, il n'y a pas ça. Ici, les gens sont positifs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ce qu'ils gagnent. Tout simplement. Voilà. Tu ne veux pas travailler, tu ne peux pas aller travailler, ben oui, tu gagneras moins. Donc, forcément, ça t'apprend, en fait, à vivre mieux, à préparer les choses, à compter l'argent, certes, à ne pas le dépenser n'importe comment, mais à en gagner plus, parce qu'ici tu as l'opportunité d'en gagner plus. Tu peux avoir 2 boulots en même temps. Tu peux trouver un petit boulot à mi-temps où tu vas gagner 15$ de l'heure et un autre boulot où tu vas gagner 23$ de l'heure. Ici, c'est ça, on a l'opportunité et on est entouré de positivité en fait. J'ai cette impression-là. Ici, le dimanche, tu vas à l'église, que tu sois croyant de n'importe quelle religion ou pas. Je suis allée à l'église Agapé avec mon chéri, je vous l'avais mis sur Snapchat. Il y a de toutes les religions. C'est en fait un motivateur, le gars. Voilà, il parle de Dieu, tout ce qui est métaphysique, c'est notre croyance. Mais que vous soyez musulman, chrétien, catholique, que vous soyez adepte au judaïsme, je sais pas, juif, je sais plus comment on dit la religion, que vous soyez bouddhiste, parce qu'on dit pas judaïste, on dit... Bon, excusez-moi. Bref, vous m'avez compris, vous pouvez être de toutes les religions et être dans cette église, et ben, tous les week-ends, il va vous donner un speech motivateur, le gars. Is it possible to life vision when you're at the bottom? Not only is it possible, that's probably the best time to do it. When circumstances and situations are pressing in upon us, the only way we can overcome them is to go within. To actually begin to ask very empowering questions with the awareness that this universal presence and its law will answer any question that you ask. So if you're in a situation that is pressing on you, and you ask, what's trying to emerge in my life? What is my gift to share? What is my purpose? Why am I here on the planet? Not just how can I pay my rent, not just how can I stop the pain, which aren't bad questions. And not just even what should I do? Not even what should I do? Not what should I do, no. But the universal questions. You ask empowering questions, the universe will answer these questions in a language and in a way that you can understand. There'll be inner prompting, there'll be intuitive hits, nudges, signs, symbols, dreams. It'll come in the language of the individual soul and heart. The difficulty is that when people are in tough situations, they ask disempowering questions. Whoa. They say, what's wrong? Mm-hmm. Who's to blame? Yeah. Why me? Yes. Those are the disempowering questions. So the universe will answer those too. It'll pull on the database of human experience and say, you were born on the wrong side of the tracks, or you were born on the right side of the tracks, or you, this happened, or that happened. It'll give you a bevy of excuses. But if you ask an empowering question, you'll get an answer to rise above the muck. So it's all about the question, the sincerity of the question, and then the ability and the willingness to really listen, to really be available. That's where the juice is. And that is available to every human being. Whether an individual is in prison, whether an individual is imprisoned by circumstance, imprisoned in their own mind about an event that happened in their past, it doesn't matter. Once you ask with sincerity,
the universal answer. That's the way it operates. Voilà. Je crois que ça a aussi un peu changé ma vie, en fait. Parce que je me rends compte que, ouais, en un an et demi, deux ans, c'est un truc de fou. Donc là, vous avez quelques petits conseils. Je vous parle un petit peu de la vie en général ici. Après, il faut se faire sa propre idée. Mais bon, moi, c'est mon expérience. C'est ce que j'en déduis un petit peu de ma vie de tous les jours. Et surtout, il faut que je vous parle aussi qu'ici, à Los Angeles, c'est très important de faire les démarches pour votre permis de conduire. Alors pour ça, faites attention. Parce que moi, je m'étais renseignée. Vous pouvez avoir, en fait, l'équivalence de votre permis français. Quand il est en région européenne, ça fonctionne, vous n'avez besoin de rien. Mais il faut un papier spécifique du consulat et de l'administration en France pour pouvoir valider votre permis ici. Et ici, pour le valider, donc il faudra ce papier, ça durera seulement 6 mois, si mes calculs sont exacts, mais bon, peut-être ça a changé, il faut se renseigner. Et après ça, il faut passer ici le test. Il faut repasser un permis ici, il me semble bien. Parce que moi, je dois aller m'inscrire donc au code, en fait, ici, et le test, le driving. Donc... C'est vrai que ça, c'est le petit inconvénient, mais ici, sur Los Angeles, on a besoin d'une voiture. Malheureusement, les routes sont tellement grandes, c'est tellement grand qu'il faut une voiture. Après, l'avantage, c'est qu'on en trouve pas mal à tous les prix. Ici, il y a beaucoup de dealers, en fait, de garages qui en vendent. Mais pareil, ils vont vous demander, comme pour l'appartement, les papiers, votre code bancaire, compte bancaire, tout ça, le bon crédit, le mauvais crédit, et j'en passe. Donc, c'est vrai qu'il faut une petite réserve d'argent. C'est pour ça que je ne me suis pas encore offert ma propre voiture. Enfin, on en a acheté une d'occasion, vite fait, bien fait, pour le chéri. Mais j'attends un petit peu avant de m'en acheter une bien costaud. Mais bon, voilà. Ça, c'est vrai qu'ici, c'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de bus. Enfin, il y en a, mais c'est compliqué. Il y a beaucoup de lignes. Le métro, pareil, il ne va pas de partout. Mais bon, là, il y en a un qui a été fait pour... qui va, je crois, de Los Angeles jusqu'à la plage. Parce que oui, Malibu, Venice Beach, c'est la plage. Et Los Angeles, c'est ici. Vous voyez ? C'est très loin, c'est très grand. Faut voir, faut venir voir pour vivre. Parce qu'ici, Los Angeles, j'ai l'impression que c'est la taille de Aix-en-Provence, Marseille mélangée. Enfin, c'est hyper, hyper grand, quoi. Marseille, c'est un quartier de Los Angeles, peut-être. J'ai cette impression-là. Bon, voilà, j'espère quand même que ça va un petit peu vous aider. Alors après, je sais pas trop vraiment à quoi répondre. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions en commentaire. Et dans une prochaine vidéo ou en commentaire, je vous répondrai. Après, je ne peux pas vous parler plus de mon expérience parce que ben, c'est ma propre situation. Ça dépend de chacun. Voilà. Mais le mieux, c'est préparer bien votre voyage. Ne venez pas les mains dans les poches. Préparez bien votre voyage. Vous avez besoin de beaucoup de papiers du consulat français pour pouvoir venir ici. Bref, donc j'espère que ça vous a quand même aidé. Alors ne pas prendre la vidéo trop au sérieux non plus, parce que ben, c'est mon expérience, je respectais ma vie privée. Moi perso, quand je parle de la France, ben oui, j'ai une petite haine et une petite déception en fait. Et rien que d'y penser, j'ai envie de chialer parce que j'aime mon pays, j'aime ma culture, tout ce que vous voulez. Mais de voir où ça en devient, ça me tue quoi. Ça me tue. J'en avais déjà parlé lorsque je vous avais fait le tag sur mes tatouages. La vidéo est ici si vous voulez aller revoir. Mais bon, voilà, je vous en reparlerai un peu plus si vous voulez vraiment en savoir et si vous me promettez qu'il n'y aura pas trop de jugement. Mais bon, je verrai quand je serai prête. Allez, je vous laisse donc me suivre sur Instagram, ici, et encore sur Snapchat pour celles qui ne l'ont pas encore rajouté, parce que c'est vrai que je passe la plus majeure partie de mon temps sur les réseaux. Je suis contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui en vidéo, je vais me dépêcher de la monter et de la poster. Je vous aime très très fort et n'oubliez surtout pas... Vous avez donc l'interview que je vais donner en fait en direct, en vidéo, avec une sexologue agréée pour Smile Makers. Posez-moi vos questions, que ce soit sur le sexe, la libido, les sextoys, en message privé. Ça sera anonyme si vous le souhaitez. N'hésitez surtout pas, c'est une professionnelle qui répondra, ça vaut le coup. J'ai déjà eu pas mal de petites questions d'ailleurs que j'ai gardées en anonyme et en message privé. Je n'ai pas eu de commentaires encore. Je comprends que ce soit un sujet tabou. Mais n'hésitez pas à poser vos questions, ça me fera plaisir de vous y répondre. Et la vidéo promet d'être hyper rigolote. Je vais faire un truc que vous n'avez jamais vu. Jamais. Allez les nanas, likez la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à poser des questions, je le répète. Abonnez-vous à la chaîne aussi. Et puis ben, on se retrouve très vite les poules. Je vous love.